dis pas où tu es, maman. Vas-y, Morel. Bonsoir. Félicitations. Dans quel état vous êtes et comment vous avez trouvé le match de manière générale? Heureux, déjà. Fier. Fier des joueurs, de l'état d'esprit, fier du public, fier de Marseille. Le match, on a essayé de démarrer très fort, mais on avait en face une équipe qui avait une maîtrise technique, qui avait l'habitude de ces matchs retour où ils ont gagné par un but d'écart. On a essayé de pousser. On n'a pas réussi à ouvrir le score. On a eu une situation par Ndiaye qui a enroulé et une sur Mbemba, je crois, sur un coup de pied arrêté. Mais on n'a jamais lâché. On a continué dans l'état d'esprit à être focus sur notre match, avec des sécurités derrière pour ne pas prendre ce but qui nous aurait condamnés. Et en deuxième mi-temps, il a fallu prendre des risques offensifs, obligatoirement, parce qu'il fallait marquer. Donc, fier de ce qu'ils ont fait. Le plan s'est déroulé, on est allé au bout de la nuit, au bout du suspense. Et quand on voit des gens heureux, on est heureux avec eux. Bonsoir. Bonsoir. Yves Leroy pour l'équipe. Quand on est en demi-finale, qui plus est quand on évite Liverpool qui était le favori de la compétition, est-ce qu'on rêve d'aller en finale? Est-ce qu'on rêve de la gagner même? On rêve de tout. On rêve de tout. On rêve de ces soirées. C'est une compétition qui nous va bien. On a battu Shakhtar ici, qui est une bonne équipe. On a battu Villarreal, qui est une très bonne équipe. On élimine Benfica, qui est un troisième adversaire coté, on dira, avec une équipe un peu remodelée, avec des joueurs qui font le sacrifice de jouer à des places et qui ne sont pas les leurs parce qu'on a quelques problèmes d'effectifs et on a encore eu ce soir un ou deux problèmes, ce qui nous a amené à rentrer des jeunes joueurs qu'on avait pris dans les 48 heures. Donc, tout va bien. Bonsoir Jean-Louis. Tu parlais hier un petit peu de ta causerie d'avant-match, mais que tu n'as pas voulu dévoiler. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils soient comme ça, pour transmettre cette envie et cet état d'esprit dont tu parles, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues pendant le match? Ils n'ont jamais lâché. Qu'est-ce que tu leur avais dit pour qu'ils soient à ce point habités? Déjà, il y avait un aspect tactique très important. On a fait une semaine où on a corrigé les erreurs qu'on avait faites à Benfica, où on s'était fait prendre en compte parce qu'on n'avait pas de sécurité derrière. Là, il fallait aller chercher, donc on avait décidé de les presser haut et de rester en contre derrière. Ça, c'était au niveau tactique, mais tout le monde a fait de gros efforts. La causerie, c'était rentrer dans l'histoire. Ça a fini comme ça. Messieurs, on a aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, avec tout ce qu'on fait de bien ou de mal, parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, j'ai dit rentrer dans l'histoire. Et j'ai senti qu'à leurs yeux, que j'avais touché. C'était un mot magique. Bonsoir coach, il y a un garçon pour qui c'est une très très belle soirée, c'est Luis Enrique qui n'a pas toujours une histoire facile ici, qui a aussi été le symbole de cette qualification en se sacrifiant la semaine dernière en jouant pas à son poste. On aurait pu être surpris de le voir aller tirer ce quatrième pénalty. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce qu'il était en confiance, habité, comme vous voulez le dire, après cette causerie? Hier, on a fait une série de pénalties à la fin du match. Et vous voyez les gens qui sont froids. Parce que bien sûr que tirer après 120 minutes, c'est plus compliqué. Mais quand on a désigné les 5 tireurs, si Jordan Veretout
n'avait pas eu des crampes, il aurait tiré aussi. Donc il y aurait eu un choix à faire, mais les joueurs en confiance se sont mis en avant et Luis Enrique a été dans les 5 premiers. Je suis content pour lui, je vous le dis franchement. Je suis content pour lui parce que je le trimballe, je le mets à gauche, à arrière, je le mets couloir droit, je le mets arrière droit, c'est mon couteau suisse. Et c'est vrai qu'il est un petit peu critiqué, mais croyez-moi, c'est un bon petit. Je recommence, félicitations pour cette félicitation. Donc vous avez fait rentrer Rayman Daou et Gaël Lafond dans ce match. Est-ce que vous avez eu un discours différent pour eux que les autres rentrant dans ce match? Pas du tout. On leur a dit hier que s'ils étaient là, c'est qu'ils nous avaient tapé dans l'œil. Entre un entraînement le vendredi après-midi après Benfica. On était allé voir s'entraîner les 19 ans. Et samedi, on est allé voir jouer la CFA contre Montferrier. Donc c'était des postes à pourvoir parce qu'on a pas mal de soucis. Et donc... ils étaient contents d'être avec nous. Et ce matin, on leur a dit, si vous êtes là, vous méritez. Ça veut dire peut-être ce soir, il y aura besoin. Ils étaient d'accord. Ouais. Bonsoir, coach. Moi, j'avais deux questions en une à vous poser. La première, c'est vous n'avez pas joué ce week-end, ce qui n'est pas le cas de votre adversaire du soir. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer un rôle sur le résultat de ce soir? La deuxième, c'est du coup, est-ce que vous appelez à ce que cette décision se répète pour le prochain tour? Alors, à la première, je réponds que Benfica a fait tourner. Il n'y a que deux titulaires qui ont joué le match. Il avait reposé beaucoup de joueurs. Et la deuxième, c'est pas à moi... à décider de quoi que ce soit. Bien sûr que si on a des jours de récupération en plus pour préparer un événement comme ça, quand on est entraîneur, on prend. Mais ensuite, le calendrier, là, on va faire une semaine à 3 matchs. On a quelques joueurs convalescents. On en a perdu encore un ou deux ce soir. On a des joueurs suspendus à Toulouse. Donc les matchs, à un moment, il faudra les jouer. Xavier, à droite. Bonsoir, coach. Bonsoir. Une question un petit peu plus générale, mais on l'a dit, cette saison, c'est quand même une saison galère. Il y a eu beaucoup de coachs, beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce qu'une victoire comme ça, un petit peu au forceps, où tout le monde s'est mis dedans, peut être un déclic pour la suite, sans tirer trop de plans sur la comète? Mais voilà, est-ce que ça embellit cette fin de saison assez tumultueuse? Embellit obligatoirement, puisque... vous êtes demi-finaliste d'une Coupe d'Europe en ayant éliminé trois clubs titrés. Donc c'est une épopée qui se déroule et une saison elle se juge à la fin. Donc nous, on est là, ça fait le troisième tour, moi, personnellement, que je passe. Et on peut aller le plus loin possible. Après, dans l'autre compétition, on aura le temps d'y repenser. On espère, franchement, avoir moins de casse-tête, récupérer des joueurs convalescents là qui sont pas loin, mais qu'on a peur de blesser. Un garçon comme Murillo aujourd'hui a été obligé de rentrer à la mi-temps, mais on avait quand même l'incertitude de la prolongation. Donc si Chancel Mbemba a mal au genou, il faut changer. Et donc de 45 minutes, on est passé à 45 plus 30. Et je veux quand même le souligner, c'est quelqu'un qui a été opéré des adducteurs,
qui est en reprise et qui est dans le groupe depuis une semaine. Et ce soir, il a joué plus d'une heure. Allez, deux dernières, Adrien Michel. Oui, bonsoir coach. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Paul Lopez qui a réalisé d'abord un grand match et puis qui a aussi permis à votre équipe de se qualifier lors de la séance de pénalty? Merci. C'est un des leaders du groupe. Il est dans les 3-4 avec qui je parle. Il était frustré sur ses derniers matchs parce que il prenait que des buts sur les centres à retrait, les plats du pied, il pouvait rien faire. Aujourd'hui, il a été décisif et franchement, il le mérite. Allez Michel, on termine avec toi. Jean-Louis, bravo et merci. Vous avez dit quand vous êtes arrivé que vous êtes venu pour ça, pour kiffer. Est-ce que ce soir, ça dépasse ce que vous aviez imaginé, vos espérances? J'y suis pas encore. Non, mais c'est vrai. Je vous promets, là, je suis... J'ai pas lâché. Donc, peut-être demain matin, quand je me réveillerai, je me dirai, putain, c'est beau. Je suis fier de mes joueurs, fier de ce public et content pour eux. Voilà. Mais pour, on n'en est pas encore à l'égoïsme. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.